Mes oncles, frères et sœurs, bonjour, bonsoir. Jodi mardi, vigile nous pour ti, maîtrise de soi. Corps, l'esprit que Dieu contraire, cet esprit nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. De Timothée, pour grâce ça, bien fait ça, pour miséricorde ça, pour te gagner envers nous, te permettre de nous passer une heureuse nuit et que nous lever matin. En éternel, nous n'en pour étude quotidienne, nous t'en prie, Seigneur. Aidez-nous pour nous capables de tirer le son sous ton grand protecteur et Dieu. Nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. En raison de sa localisation géographique, Carthagène des pirates. C'était en effet là que convergeaient les richesses des colonies espagnoles, l'or du Pérou et des pierres précieuses collectées sur tous les continents étaient chargées dans son port. En 1544, le Français Robert Baal a complètement saccagé la ville. En 1559, elle est à nouveau attaquée par un autre corsaire français, Martin Côté. Mais rien n'est comparable à l'attaque menée par le légendaire pirate anglais Francis Drake. En 1586, Francis Drake a laissé Carthagène des Indes en ruine fumante. Cela a incité la couronne espagnole à lancer un ambitieux projet de construction de bastions et de murs en pierre de corail pour protéger la ville des ennemis. Juan Bautista Antonelli était alors à la tête d'un groupe d'ingénieurs et de 100 ans à la construction de ces murs qui ont protégé la ville et facilité la route pour obtenir d'importantes victoires. Des réalités historiques comme celle de Carthagène des Indes nous aident à comprendre le passage de Proverbe 25, verset 28. Une ville forcée et sans muraille, tel est l'homme qui n'est point maître de lui-même. Celui qui est incapable de contrôler l'action est sans défense à la merci de quiconque veut lui faire du mal ou de lui-même qui peut être son pire ennemi. Le texte fait littéralement référence à celui qui ne peut contrôler son esprit, c'est-à-dire caractère qui n'a pas de maîtrise de soi, comme le dit Salomon. Mieux vaut celui qui se domine que celui qui prend la ville. Proverbe 16, verset 32. Si nous devons nous surveiller notre environnement, nous ne devons pas oublier ce que Paul a dit à Timothée. Veille sur toi-même. 1 Timothée 4, verset 16. Tous ceux qui visitent Carthagène admirent ces magnifiques murailles. Mais comment les murs protègent-ils les avenues qui mènent à notre esprit? C'est cette absence de mur qui nous empêche d'exercer la maîtrise de soi. La question essentielle est la suivante. Comment pouvons-nous maîtriser notre esprit? Le seul moyen est la maîtrise de soi. Galates 5, verset 22-23. Voici la
promesse. Car l'esprit de Dieu, au contraire, cet esprit nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Vigilons à parler-nous de maîtrise de soi. Parlez-nous de Carthagène, côté qui n'a en Bolivie, qui a attiré en pile pirate, parce que c'est là que richesse espagnole était chita. Eh bien, le fait nous connaît que en 1544, Robert Baal était saccagé zone. En 1559, c'est un autre français encore qui était attaqué, c'était Martin Côté. Mais pas gain yon attaque qui était pire raide, passé par Anglais, Francis Drake, là, qui était en 1786. Eh bien, il était écrasé ville sa net. Et puis, à cause de ça devient une baille pour yon on baraille pour yon te vin pour dire ouais, que yon supposé monter yon muraille pour en roche de quoi pour ville là capable protéger. Eh bien, Juan Bautista, qui Antonelli, c'était lui-même qui était en tête d'un groupe ingénieur avec architecte qui était construit mur ça pendant 200 ans. Et mur ça a été protégé, pour te protéger villa et pour être capable bailler un chemin, puis être capable de gagner victoire. Et réalité historique, ça, qui fait nous comprendre. Et aider nous pour comprendre Proverbe 25, verset 38, qui dit que yon ville forcée et sans muraille, c'est comme ça yon homme qui pas qu'à contrôler tête li yé. Si la qui pas qu'à contrôler tête et émotion, sentiment, réaction, li sans dépense devant que soit moun qui a fait chercher pour faire mal là, eh bien, comme ça tout li ka même yon gros ennemi pour propre tête pas li. Eh bien, texte ça dit fait référence, littéralement fait référence à esprit, c'est-à-dire caractère, qui pas monde qui pas gain maîtrise de soi. Même Jean que Salomon dit, plutôt ou joignez un monde qui domine tête li que yon monde qui prend ville là. Proverbe 16, verset 22. Si nous voulons surveiller l'environnement, nous ne pouvons pas oublier ça que Paul te dit à Timothée. Veillez tête ou. Veillez sous même. Dans 1 Timothée 4, verset 16. Eh bien, tout le monde qui a les Carthagènes, il était émotionné. Il était émotionné par et belle muraille, ça. Mais comment que mieux on a protégé avenue qui menait dans l'esprit nous? Eh bien, c'est bagaille, ça. C'est absence mieux, ça, qui permet. Qui empêchait nous gagner maîtrise de soi. Eh bien, question Lila, comment nous capables maîtriser esprit nous? Eh bien, le seul moyen qu'on capable faire, c'est permettre à l'esprit de Dieu dominer nous. Car, puis l'esprit, c'est maîtrise de soi. Galates 5, versets 22 et 23. Mes promesses là, l'esprit que bon Dieu ben nous, lui pas rendre nous timides. Au contraire, l'esprit ça, bon nous force, l'amour à contrôle tête nous. Que bon Dieu capable bénir nous, passez une bonne journée.